Donc maintenant, je vous remercie beaucoup, c'est l'œuvre surprise un petit peu de Pascal et son orchestre, un concerto improvisé. Et en fait, l'idée, c'est que dans le public, vous lui donniez 6 notes. On va vous demander 6 notes. 6 notes de musique. Et d'après ces 6 notes, on va vous expliquer ce qu'il va faire. On va vous jouer un concerto d'un peu plus de 10 minutes à partir de cette cellule motivique. À partir de ce thème de 6 notes que vous allez vous-même donner. Des notes différentes avec des quarts, des dièses et des bémols. Et alors après, vous aurez comme 5 minutes d'entraque. Parce que c'est un concerto improvisé, mais on doit quand même écrire le concerto pendant 5 à 10 minutes. Donc, ça demande un peu de préparation parce que, bon, mine de rien, on ne fait pas n'importe quoi. Vous entendrez bon, cette œuvre un peu sous la forme d'un thème et variation qui voyage à travers différentes esthétiques contemporaines. Alors, on va commencer. Une note, première note. Alors, c'est là, une note. Do, et bah très bien. Do, première note, Do bécard. Très bien. Deuxième note. Fa dièse. Fa dièse. Très bon choix. Fa dièse. Oui. Si, oui. Si bémol. Troisième note de si bémol. Très très bon choix également. Pour être dans un mode. Mode acoustique, mode de partage. Ensuite, après, oui, sol, cinquième, un ré, très bon choix également, dernière note, oui, madame, oui, je sais que vous voulez donner une note. Alors, voilà, une réponse collégiale, tous les deux, la vous proposez la bémol, excellent choix, la bémol. Bon, bah, très bien, écoutez, bon, dans 5-10 minutes, on vous propose orchestre sur le thème proposé par le public. À tout à l'heure. Alors, ça aura l'air décousu, mais c'est volontaire. On va dire que c'est un hommage à Lutoslavski, Ligeti, Dutilleux et la tendance postmoderne d'aujourd'hui. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas Lutoslavski, vous n'aimez pas Ligeti, Dutilleux ou la tendance postmoderne, mais je ne vous en voudrais pas. Alors, le thème, vous rappelez votre thème. Ça, c'est votre thème. Delphine Chaublet à la direction. Thank you.